Technique nivelle. Je suis le grand monarque. Volant. Enlève ton t-shirt. Tout le monde vous ment. Là on est libre, on fait ce qu'on veut. Cette année, et lui aussi illégal, même si, évidemment, les autorités n'ont pas pu stopper l'arrivée des festivaliers. Là, on se rapproche du mur de son. Le son commence à être très très fort. Technique nivelle. Technique nivelle est de retour. Technique nivelle. Imaginez que depuis des siècles, les scientifiques, les politiques, les astronautes, les pilotes, la NASA, les médias, tout le monde vous ment en affirmant que la Terre est ronde. En réalité, elle est plate. La Terre ne serait pas ronde, ne tournerait pas autour du Soleil, ni sur son axe. Un platiste a voulu aller vérifier sa théorie par lui-même. Je m'attends à voir un disque plat de là-haut, mais je serai honnête. Si je vois que la Terre est une sphère ou une boule, alors en descendant, je dirais, les gars, je me suis planté, la Terre est ronde. Ferme ta gueule, fils de pute. Ferme ta gueule. La courbure de la Terre devrait nous bloquer la vue. Fils de pute. La Terre ne tourne pas, on devrait sentir le vent que ça fait. La Terre serait horizontale, le pôle Nord au milieu, l'Antarctique constituerait le bord extérieur et au-delà, ce serait le gouffre. Tout le monde vous ment.
Vous avez vu comme l'horizon est plat? C'est pas possible de mettre autant d'eau sur une boule. Imagine un petit matin, ok. Alors là, tu veux un burger tous les yeux, et là, t'as le breakfast tomato. Il est temps de tester le mix de burger. Attention, lumière qui fait peur. Voici le burger pour moi. Tellement de drogue en moi que je vais pas en reprendre maintenant quoi. Pas de malaise, drogue-toi. J'adore me droguer moi, t'sais, mais vous savez de quoi je parle, on est tous des drogués ici, on bâton une vie morose, avec paradis artificiel, on se prend les simples pour le Babylone quoi. On m'appelle Fayaman, chez moi, c'est objectif drogue max quoi. Avant j'avais des drogues, hein. Sarwell, de tout quoi, j'étais vraiment drogue quoi. Je suis festoche addict, hein. Je fais les vieilles charrues et tout. Des fois, les potes ils me disent, hé hey, mais arrête de te droguer, t'es drogué là. Je fais, bah, je sais pas. Oh toi. Wouah. Enlève ton t-shirt et droge-toi. Bonjour à tous et à toutes, je suis Sylvain Pierre du RIF, le grand monarque. Je suis
fils cosmique, le Messie. Mon nom d'âme, c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, de celui qu'on appelle l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. Je suis le grand monarque. Il y a à peu près 9h du soir, et j'étais pas endormi, je vais m'endormir. Et à un moment donné, je vois apparaître des singes et des serpents sur mon lit, et puis il y en avait partout. Ils dansaient dans tous les sens, j'étais comme dans Mowgli en fait. Ben, cette nuit d'ailleurs, pas plus tard que cette nuit, j'ai fait un rêve où je volais, et j'étais à nouveau en train de voler dans certaines dimensions espace-temps. Abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Et à partir de là, ben, j'ai eu des expériences paranormales du type où je rêvais des informations à l'avance qui allaient se produire soit le lendemain, soit des années plus tard. Sur ma chaîne Glitchman Online, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch de duplication solo facile sans tamis.
L'air annonce aujourd'hui qu'une soucoupe volante a été trouvée dans un ranch près de Roswell et est maintenant en la possession de l'armée. L'armée de l'air annonce aujourd'hui qu'une soucoupe volante a été trouvée dans un ranch près de Roswell et est maintenant en la possession de l'armée. Il y a très peu de chances pour qu'on soit seul dans l'univers. Extraterrestres sont parmi nous. L'humanité n'est pas encore prête. Un mensonge n'est souvent qu'une sous-vérité améliorée. Les extraterrestres ont demandé à ne pas annoncer leur présence ici parce que l'humanité n'est pas encore prête. Les extraterrestres ont obtenu un accord pour garder leur mouvement secret. Ils ont attendu que l'humanité évolue et atteigne un stade où nous comprenons généralement mieux ce que sont l'espace et les vaisseaux spatiaux. Une sous-vérité. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, je dirais, le miroir qui vous aide à avancer. Alors ça n'est pas mon cas, comme je le disais là, puisque moi au contraire j'ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain qui sait, peut-être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » Cannabis.
Merci la vie.